calme absolu. Alors que le piano, tu vas me donner la... Oh Seigneur, aide-moi. Excellent. Excellent, my God. Nathanaël, tu vas accompagner ton frère. Oh my God. Et je sens une présence. Tout le monde. Nous allons chanter ça. Tu vas chanter avec moi. Et tu vas chanter ça. Oh! Avant que je commence, je
Je vais bénir Dieu pour ma fille. Ah, Océan. Vous savez, quand je dis excellent, j'étais en train de vénérer Dieu. Vous savez, souvent on dit, ça sert plus de dire à quelqu'un, viens à l'église, je ne te vois plus. Alors que tu sens dans la personne, elle a un potentiel. Mais hier, je vous dis, c'est week-end. J'ai regardé son visage sur Facebook. Je parlais à son visage. Amen. Et je le vois ce matin au culte. Et je salue ma fille. Sois bénie. Que Dieu te bénisse. Et tu vas tourner vers la gauche. Tu vas dire bonjour à ton voisin. Dis sois béni. Vers la gauche. Vers la gauche. Et tu regardes vers la droite. Tu dis à ton voisin, sois béni. Ça va t'arriver. Ça t'arrive, sois béni. Ça c'est un violon. Soyez bénis tous. Prenez place, prenez place. Alléluia. Bonjour, monsieur Niama. Que Dieu te bénisse. Bonjour, Curtis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Aristote et Lorraine. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Mimi. Tu m'as manqué la semaine, tu nous as manqué la semaine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et notre Dieu est merveilleux. Oh, ma fille Elsa, je ne t'ai pas vu. Oh, sois richement béni. On acclame Jésus pour elle. On acclame Jésus pour elle. Et qui aime Jésus réellement? Lève ta main haut. L'église si en fait le rocher. Oh! Et nous allons parler de la responsabilité du chrétien dans l'église locale. Peut-être que je ne serai pas long. Je ne sais pas. La sœur Pamela n'est pas là. Avec les enfants. C'est son tour aujourd'hui. Amen. Qu'elle soit bénie. Alléluia. Oh, je bénis Dieu. L'église, avant de prêcher, ça fait l'objet du message. Soyez des personnes spirituelles. Soyez des personnes. Non, le message a commencé, hein, je vous donnerai des versets. Soyez des personnes responsables pour votre propre vie. Et à un moment donné, il faut changer le niveau. Il dit, je vais changer le niveau. Vous savez, ce n'est plus le moment de pleurer sur ces désirs charnels. Et quand je parle des désirs charnels, je parle de choses terrestres. Alléluia. Tu veux une voiture, tu veux un enfant, tu veux un examen, tout ce que vous voulez. Ça, c'est des désirs terrestres. Il est question de savoir. Il faudra que nous changions notre mentalité. Que nous puissions voir les choses d'en haut. Alléluia. Dites d'en haut. Dites d'en haut. Oui. Et quand tu te poses tout sur la tête de Jésus, si tu es sincère avec lui, je te dis l'église, il n'a pas d'autre moyen de faire que de te bénir. Le pasteur qui nous parle, l'inspiration de Dieu, il nous a fait une prédication sur des déclarations. Alléluia. Car, qui était là le jour-là? La puissance des déclarations. Alors, si tu n'étais pas là, il faut aller sur le site YouTube de l'église. Il faut aller voir ce message-là. Ça va t'aider richement. Alléluia. Ça va réellement t'aider. On n'a plus le temps de pleurer. Mais nous sommes maintenant responsables pour chercher réellement Dieu. Alléluia. Dis la prédication commence. Dis pasteur, accélère. Je vous donnerai des versets, il y en a plein. Dis pasteur, accélère. Ça veut dire qu'on parle de la responsabilité. Et la responsabilité vient du mot responsable. Qui est d'accord avec moi? La responsabilité vient du mot responsable. Il est question de comprendre, il cherche de la responsabilité, pas du monde. Même dans la vie chrétienne, un peu plus loin dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il faut être responsable. Et quand tu es responsable,
et tu rencontres, tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas responsables vis-à-vis de l'Éternel. Alors que tu es dans le monde, Dieu te fait grâce de venir à lui. En fait, il y a eu un processus de la transformation, du changement de la mentalité. Alléluia. Donc le premier, l'ennemi à combattre, c'est toi-même. Tu dois rentrer dans une dimension de la repentance véritable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous amène quelque part. De la repentance véritable. Tu ne peux pas être responsable. Tu ne peux pas être une personne responsable au sein de l'église si tu n'es pas réellement repenti. Alléluia. Vous savez, souvent lorsqu'on parle de la repentance, les gens commencent à voir loin, ils voient maintenant, je ne suis pas en règle devant Dieu. Non. Ça fait partie. Mais je disais vendredi, vous savez, le premier péché que l'homme a commis, ce n'était pas du vol, ce n'était pas le vol. Ce n'était pas l'impudicité, ce n'était pas l'adultère. C'était la désobéissance. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de la désobéissance, en fait, il y avait un autre que Dieu a dit à Adam et Ève. Ils n'ont pas obéi. Et à cause d'eux, les femmes accouchent avec souffrance. À cause d'eux, les hommes sont obligés de travailler 24 heures, 24 heures pour joindre des bouts de moi. Oh, au préalable, ce n'était pas peut-être le plan de Dieu. Alléluia. À cause de l'homme. Et le premier élément, c'est la repentance. Dis avec moi la repentance. Et le premier niveau de la responsabilité de l'homme au sein de l'église, c'est la repentance. Alléluia. Il faut se repentir. Parce que tu n'es pas Dieu du monde, mais tu n'es pas du monde. Quelqu'un dit amen. Tu es du monde, tu n'es pas du monde. Tu en toi, tu es un ADN du ciel. Alléluia. Oh, écoutez-moi. En toi, tu es un ADN du ciel. Tu es l'ADN de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, vous ne réalisez pas. Si tu es un ADN de Jésus, aucune personne qui a l'autorité de détruire ta vie. Au préalable, il faut connaître ton identité, ta responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Ça va, on peut vous mettre dans deux endroits identiquement, mais il y a une autre personne qui est régénérée par sa manière de penser. Il ne sera pas la même personne que l'autre. Alléluia. Parce qu'il est renouvelé. Lorsqu'il voit une situation difficile, mais il voit ça seulement en fait, c'est une petite montagne. Alléluia. Car mon Dieu va combattre. Alléluia. Qui connaît David? Qui connaît David? La Bible dit que David a combattu Goliath. Alléluia. Lorsque David a combattu Goliath, David n'était pas dans le péché. Lorsque David a combattu Goliath, David n'était pas dans le Congo-Sa. Est-ce qu'on parle de Congo-Sa, des gens qui ont parlé? Et je pense que David était en ordre. Et David était en mouvement de l'esprit. Écoutez l'église. La première responsabilité, c'est la repentance. Et quand je parle de la repentance, dans toutes les formes, alléluia. Écoutez l'église. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Non, dis avec moi, il faut qu'on avance. Tu veux pas qu'on avance? Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Donc le premier niveau, c'est la repentance. Dans tous les niveaux. Vous savez, souvent, excusez-moi, souvent il y a des problèmes qui ne changent pas. Les gens disent qu'en fait, l'homme de Dieu n'est pas puissant, ou la prière n'est pas puissante, mais la personne qui bloque, c'est toi-même. Alléluia. À un moment donné, il faut apprendre à vivre dans la foi. Vous savez, une foi, enfin, je veux dire, la foi égoïste. C'est-à-dire que tu sais que ça ne marchera pas, mais tu crois quand même. Alléluia. Mais oui, parce que nous sommes dans un monde spirituel. Nous ne sommes pas, tu sais, si nous sommes chrétiens, nous sommes spirituels. Alléluia. Tant que tu ne seras pas réellement spirituel, tu ne pourras pas gagner des différents combats. Alléluia.
Dis, je veux changer. Dis, je veux changer. Ça va, s'il y a quelque chose qui te bloque, il faut venir voir le pasteur, on va prier pour toi. Alléluia. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors que tu n'arrives pas à mener une vie correcte vis-à-vis de Dieu. Quand je parle d'une vie correcte, je parle de ta manière d'être dans la vie. Tu ne dors pas bien. Tu as des problèmes de santé. Tu as des problèmes d'argent. Tu as tellement de problèmes. Quelqu'un te demande en mariage, il fuit. Il y a tellement de problèmes. Dis, je veux être spirituel. Dis, je veux être spirituel. Dis, Seigneur, aide-moi de me repentir. Dis, Seigneur, aide-moi de me repentir. Église, dans le monde, il n'y a rien de bon. Il n'y a pas la bonne chose dans le monde. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Il n'y a rien dans le monde. Dans ta vie, au Seigneur. Tu es responsable pour ta propre vie. Tu es responsable pour l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, donne ta vie complètement à Dieu. Je vous dis la vérité. Tu as besoin d'une délivrance. Tu te vois la délivrance, on va t'aider. Change ta manière d'être. Il n'a plus le temps de perdre son temps. Il n'a plus le temps d'aller en maison, Non. Il est le temps de chercher réellement Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un réellement ce matin? Dis-moi un bon amen. L'église, soyez responsable. Vous savez, quand tu changes des camps, c'est-à-dire que tu es dans le monde et tu désires d'appartenir à une église, tu es maintenant responsable. Alléluia. Amen. Tu es responsable pour toi-même, pour ta famille et pour l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginons que le pasteur, moi, je vous parle. Je suis responsable, plus ou moins, de vos âmes. Imaginons que moi qui vous parle, et vous me retrouvez demain, je ne connais pas les boîtes à Tchoutchoumbé, je ne sais pas, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Tchoutchoumbé, en train de faire la salsa. Tu dis, ah, si ta foi n'est pas ferme, je vais, avec, par rapport à cette action, ta foi sera déstabilisée. Alléluia. Ça veut dire que chacun de nous est responsable. Pour sa propre vie, pour la vie de l'église et la vie de sa famille. Alléluia. Dis, Seigneur, aide-moi pour changer. Dis, Seigneur, aide-moi pour changer. Qui veut réellement changer? Non, qui veut réellement changer? Il n'y a que sept mains. Qui veut réellement changer? Amen, alléluia. On acclame Jésus pour vous-même. Acclame Jésus pour vous-même. On va prendre nos Bibles. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Alors,
arrête-toi. Il y a d'autres qui disaient, tu es Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que la parole déclarait qu'il devait avoir quelqu'un qui devait venir. Au préalable, les gens confondaient Jésus à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste manifestait l'onction de Dieu à cette époque. On y va. Les autres, Élie. Les autres disent que tu es Élie. Si je veux pas très bien. Il y a donc qui dit que tu es Jean-Baptiste. Donc qui dit que tu es Élie. Les autres, Jérémie. Les autres disaient que tu es Jérémie, le prophète. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Alléluia. Simon Pierre dit, tu es le Christ. Simon Pierre dit, tu es le Christ. Et Simon Pierre avait la révélation de Jésus. Amen. Et Simon Pierre avait la révélation de Christ. Savez-vous, l'église? Lorsque Simon Pierre dit, tu es le Christ. Mais Simon Pierre n'était pas dans la chair. Et Simon Pierre était en esprit. Alléluia. Et Simon Pierre dit, tu es le Christ. Et Jésus dit un peu plus loin, Pierre, Pierre, sur cette pierre, tu bâtiras mon église. Qui veut bâtir l'église de Dieu? Qui a le désir de bâtir l'église de Dieu? Et qui a le désir de bâtir l'œuvre de Dieu? Alléluia. Mais c'est un ordre. Lorsque Dieu dit à Simon Pierre, sur cette pierre, tu bâtiras mon église. Écoutez, l'église, tu dois comprendre une chose. Lorsque Christ, lorsque Dieu affirme quelque chose, il dit, Simon Pierre, sur cette pierre, tu bâtiras mon église. Alors, Dieu est en train de dire à quelqu'un dans cette salle, chacun avec moi, tu bâtiras l'église sur toi, le rocher. Alléluia. Je bâtirai mon église. Les portes continuent, continuent. Il y a quelque chose de fort qui arrive. Le fils, si tu... Oh. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du... Wow. Là, il dit quoi? Les portes de séjour de mort continue. Ne prévaudront point contre elle. Voilà. En des termes, il voulait dire aucune chose qui a le pouvoir de détruire mon église. Alléluia. Aucune chose dans l'eau, dans la forêt, a le pouvoir de détruire mon église. Ça, dans chaque église locale, Dieu a affirmé cette parole. Vous devez comprendre maintenant, afin que cette parole soit matérialisée, matérialisée. Tout dépend des éléments, c'est-à-dire des personnes qui constituent l'église. Alléluia. Tout dépend des personnes qui constituent l'église. Et si nous avons des personnes qui constituent l'église qui vivent qui sont charnelles, on ne pourrait jamais bâtir réellement l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne pouvons jamais bâtir réellement l'église. Vous savez là, Pierre était en esprit. Alors, donc, le premier élément pour bien bâtir l'église, pour votre responsabilité au sein de l'église, je vous dis la vérité, c'est de... Vous ne m'avez pas suivi. Oh! C'est de spirituel, alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans l'église, souvent les gens ne sont pas spirituels. Souvent dans l'église, les gens ne sont pour écouter la parole. Alors il finit d'écouter la parole, il rentre chez lui, il reprend sa vie d'avant. Or c'est faux. Tu n'as pas une personne spirituelle, alléluia. Parce que toi tu n'es pas une personne spirituelle. Le diable passera devant, le diable passera par toi pour atteindre l'église. Alléluia. Attends, je veux m'expliquer pourquoi. Vous savez, chaque église est attaquée. Dans toute forme de choses. Souvent, le diable utilise les gens de la même famille. Merci Seigneur. Vous savez, chaque église locale, c'est une famille. Dis, nous sommes une famille. Dis, nous sommes une famille. Il y a une église universelle qui existe. Et chaque église locale, c'est une famille chrétienne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant, je reviens dans le naturel. Imaginons. Une famille,
Il y a un père, n'est-ce pas? Il y a une mère, n'est-ce pas? Il y a des enfants. Mais notre père, c'est qui? L'église, notre père, c'est qui? Oh, parlez avec moi. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes les enfants de Christ. On doit comprendre ça. Nous sommes les enfants de qui? Non, parle avec. Nous sommes les enfants de Christ. Notre papa, c'est Jésus. L'église, c'est l'épouse. Alléluia. C'est l'épouse de Christ. Et il affirme une parole. Aucune personne aura le pouvoir de détruire mon église. Vous êtes dans la révélation? Amen. Mon église. Alors, je reviens sur ce que je voulais dire. Imaginons une famille, il y a un père, il y a une maman, il y a des enfants. Vous devez comprendre que dans la famille, si par exemple le premier fils est malade, la maladie perdure, toute la famille est décalée. Alléluia. Toute la famille est décalée, tout le monde ne va pas bien. C'est pas normal. Et l'église, c'est pareil. Alléluia. Notre église locale, c'est la voie de Rocher, c'est pareil. Alléluia. Quand je voyais ma fille, je n'étais pas bien. Au ciel. Là, je te vois, mon cœur est soulagé. Ça soit pour le bon. Ça soit pour le bon. Alléluia. Et donc, nous sommes une famille. Donc, dans une famille, on ne doit pas se bagarrer. Dis, on ne doit pas se bagarrer. Vous savez, lorsque dans une famille, les deux enfants qui se battent, je vous dis la vérité, les parents ne sont pas bien. Les parents souffrent au fond d'eux. Même s'ils ne montrent pas aux enfants, mais ils souffrent au fond d'eux. Même dans l'église, lorsqu'il y a des querelles, je vous dis, les conducteurs souffrent au fond d'eux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je déclare qu'il n'y aura plus de querelles dans cet endroit. Quelqu'un dit amen. Et s'il y a des querelles, c'est ta responsabilité. Alléluia. Tu dois refuser les querelles. Tu dois pas être une personne querelleuse. Tu dois refuser ces choses. Alléluia. Ce sont ces choses qui retardent l'œuvre de Dieu. Alors, si tu changes pas ton attitude vis-à-vis d'un problème qui te fait mal, donc tu seras Dieu responsable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous sommes tous responsables au sein de l'église. Et lorsque ton frère souffre, c'est aussi ton problème. Alléluia. C'est notre responsabilité à tous. Lorsqu'un frère a des problèmes, c'est notre problème à tous. Alléluia. Donc quand le pasteur t'appelle, c'est normal. Parce que tu fais partie de la famille de l'église qui envoie le rocher. Alléluia. Et pour rien, tu t'énerves. Ah! Dans l'église. Le frère ou la soeur n'a même pas le droit pour te faire des reproches. Que te faire des reproches est devenu un scandale. Là, tu viens vers l'église. Là, tu fais grève. En réalité, tu n'as pas compris réellement. C'est quoi l'église? La Bible dit l'église, c'est quoi? La colonne de la vérité. Mais dis avec moi. Vérité. Donc, si on te parle de la vérité, accepte-la. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Souvent les gens, j'insiste, souvent les gens qui ne sont pas encore répandus encore. Ah, pour un rien. C'est comme s'ils ont mis de l'eau dans le gaz. Ah, c'est compliqué. C'est quand même bizarre. Tu as changé de vie. Tu es devenu une personne en Christ, renouvelée par tes pensées. Ton mode de pensée, ton mode opératoire de pensée a changé depuis longtemps. Mais tu as encore les kilos pour sortir des grands mots pour insulter tes frères dans le sein de l'église. Tu es responsable. Alléluia. Dis, je refuse. Dis avec moi, je refuse. J'accepte de changer. Alléluia.
Nous sommes une famille. Il faut bien comprendre ça. Il y a l'église universelle et puis l'église locale. Donc chaque église locale constitue une famille. Donc dans une famille, la vision d'une famille, en fait, la vision, elle est commune. C'est-à-dire que tu as des enfants, tu envoies les enfants à l'école, qui grandissent, ils se marient, et chacun prend son chemin. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est en fait une vision commune de chaque père de la terre. Mais la procédure ne sont pas pareilles. Alléluia. La manière d'éduquer mon enfant, ce n'est pas la même manière que mon papa Kwaku peut éduquer son fils. Alléluia. Ce n'est pas la même manière. Mais la solution, c'est la même. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dorénavant, il faut savoir que nous sommes une famille. Hein, papa Georges? Donc, tu as une responsabilité de la vie de mon fils. Comment il s'appelle? Oh. Il s'appelle le fils Valentino. Donc, tu es, on doit s'aimer. On doit être des personnes. On doit sentir l'autre dans l'amour de Jésus. Alléluia. On doit être distant l'un à l'autre. Alléluia. Si nous sommes encore dans le monde. Alléluia. Il y a une différence entre rentrer dans la vie de quelqu'un. Je ne parle pas de ça. Je parle d'aimer l'autre, de compatir la compassion par rapport à l'autre. Je ne dis pas que d'aller chercher dans la vie de l'autre. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Parce que ça, c'est réservé aux femmes. Lorsqu'elle est alliée avec quelqu'un, il faut qu'elle sache tout. Mais c'est ça qui crée des problèmes. Hein? Je vous dis la vérité. Et puis ça fatigue l'église. Vous avez eu vos problèmes, je ne sais pas où, là-bas, vous amenez ça à l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être une femme qui a la mentalité céleste. Alléluia. La mentalité céleste, c'est-à-dire que la femme qui pratique l'amour à ses frères et soeurs. C'est-à-dire que tu lui donnes bonjour ou pas, c'est pas son problème. Mais lui, il vient, il te dit bonjour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le bonjour, c'est très important. C'est quand même bizarre les gens qui passent devant les autres. Vous êtes. Moi, je ne comprends pas. Vous avez quel esprit? C'est la chair même. Tu vois ton frère, ta soeur, tu passes dans l'église après les cultes. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Il suffit d'adorer et puis je te dis le premier commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Voici le premier commandement. Voici ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Mais tu aimes toi-même, mais tu n'aimes pas ton prochain. C'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Et si tu n'aimes pas ton prochain dans l'église, tu es responsable de quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es responsable. Vous savez, lorsque nous venons à l'église, nous avons pas tous le même bagage spirituel. Excusez-moi le mot, il y a des bébés spirituels, il y a des moyens spirituels, il y a des grands spirituels, il y a des forts spirituels, comme vous voulez. Mais nous sommes là pour aider l'autre. Nous sommes pas là pour sortir l'autre dans ses gonds. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes pas là pour sortir l'autre dans ses gonds. C'est pas normal. Et si tu es ainsi, donc tu es animé encore par l'esprit de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'esprit de la chair amène des problèmes. L'esprit de la chair amène des guerres dans l'église. L'esprit de la chair amène des divisions. Alléluia. Alors si tu marches dans ça, donc Dieu a la responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites, je sors de ça. Dites avec moi, je sors de ça. De ça, merci. Dis, je sors de ça. Alléluia. En fait, franchement, c'est quand même bizarre. Revenons dans le naturel. Dans le naturel. Si tu es né avec ton frère de même peuple, de même mère, quel que soit le problème, tu ne peux pas lui faire du mal. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Mais vous savez, ça devait être le contraire.
excusez-moi, mais c'est d'abord les spirituels qui dominent le naturel. Alléluia. Je voudrais, je peux vous choquer, mais ton frère spirituel est plus important que ton frère naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si ton frère naturel est dans le monde, mais si ton frère naturel est franc-maçon, vous ne parlez pas le même langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le vrai frère, le vrai soeur, c'est celui qui est dans la même communauté avec toi. Alléluia. C'est celui qui parle le même langage de Christ avec toi. Alléluia. C'est ça le vrai frère. C'est ça le frère qui te dit, mon frère, tu dois le péter, change de voix. C'est ça le vrai frère. C'est ça la sœur idéale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas celui qui te dit, ma sœur, mon frère, mais non. Celui qui te dit la vérité. Alléluia. Dans la maison de Dieu, c'est la vérité. Dans la maison de Dieu, c'est pas le mensonge. Dans la maison de Dieu, c'est de l'ordre. Alléluia. Et tu dois aider ton prochain. Tu dois aider ton prochain qui est dans la prostitution. Tu dois aider ton prochain qui souffre. Tu dois aider ton prochain qui vit dans le mensonge. Alléluia. Que tu ne fais pas, c'est ta responsabilité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle dans l'église locale. Je parle pas. Je parle de l'église locale. Dans l'église locale, que tu vois ton frère qui parle mal, c'est ta responsabilité pour le redresser. Alléluia. Mais fais ça aussi bien, s'il te plaît. Fais ça bien. Alléluia. Bien. Quand je dis bien, c'est-à-dire pas avec l'orgueil. Ma sœur, tu sais, ce que tu as fait, c'était pas bien. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Essaye d'échanger. Et Dieu et tout. La sœur va écouter. Amen. Alléluia. Amen. Faut pas être des personnes où l'autre te donne le conseil. C'est comme si c'est le feu. Le feu. Le feu est allumé, le feu. Alors je te dis, le feu. Comment on chante ça? Le feu. Aujourd'hui. Le feu, feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons, alléluia, le feu. Amen. Maintenant, quand tu fais maintenant, le feu est allumé aujourd'hui pour faire des querelles. Mais non. Et tu renverses les champs. Alléluia. C'est pas normal. Et une église victorieuse, c'est une église qui marche avec le Saint-Esprit. Une église victorieuse. Alors Jésus avait dit, il était question que je m'en aille. Je vous envoie le consolateur. Il parlait de qui? Il parlait du Saint-Esprit. Il m'a envoyé le Saint-Esprit, l'esprit de feu, l'esprit de puissance. Alors le Saint-Esprit règne dans chaque église. Alors là où il y a, là où il y a des querelles, le Saint-Esprit a mal. Le Saint-Esprit a mal. Le Saint-Esprit pleure. Parce que le Saint-Esprit a des émotions. Il pleure. Parce que son église ne comprend pas la révélation de l'église. Alléluia. Ouh. Cherche à comprendre la révélation de l'église. Alléluia. Et ensuite, l'église ne doit pas être. Comment? Dieu aide-moi. Tu ne dois pas être une deuxième chaise. Moi, je n'arrive pas à trouver, mais je lis ça comme ça. L'église n'est pas une deuxième chaise. Ça veut dire, tu fais d'abord ce que tu as à faire, après tu viens à l'église. Mais non! Et la révélation de l'église. Vous savez, le pasteur doit savoir. Tu peux avoir l'onction dans toutes les formes, mais l'onction se déploie à l'église. Alléluia! L'onction peut déployer dans n'importe quel endroit, mais pas dans la même dimension de l'église. Parce que le Saint-Esprit, sa présence est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ta responsabilité de participer à l'œuvre de l'Éternel, à donner Christ. Alléluia. Amen. C'est ta responsabilité. Tu dois aimer l'église. Tu dois mettre l'église à la première place. Je vous dis la vérité. L'église, ce n'est pas une seconde place. Non. Si vous ne savez pas, je vais te dire ça ce matin. La première place. Amen. Aristote, la première place. Je vous dis la vérité, la première place. Tu viens à 11h. À 14h, tu finis, tu rentres à la maison. Ça fait que 3h. C'est pas grave. Amen. 3h, c'est pas la mer à boire. 3h, tu restes à la maison pour regarder le téléphone, pour
téléphoner, je ne sais pas. Non, ce n'est pas normal. Dis l'église. L'église. Dis l'église. L'église. L'église est une puissance. Rentre dans la révélation de l'église et tu verras comment Dieu agira en ta faveur. Alléluia. Et l'église est de Dieu. Amen. Dis amen. Donne-moi un amen militaire. Amen. Non, un amen militaire. Amen. Wow. Bon, un amen combattant, c'est comment? Amen. Wow. Oh, William, ça veut dire. Voyez-vous, on doit aimer l'église. Hein? On doit aimer son église. On doit participer aux réunions de son église. On doit prendre le temps de prier. Alléluia. Vous savez, il faut comprendre. Ça veut dire que tu ne peux pas aller dans cette église si tu n'as pas la révélation. Si tu n'as pas la révélation, c'est que tu perds ton temps. Parce que quand tu parles dans cette église, c'est un territoire. C'est un champ d'action que Dieu t'envoie. Donc certainement, les paroles qui vont être données vont influencer ta vie pour que tu rentres dans tes victoires. Alléluia. Vous savez, un jour j'étais dans les difficultés. Un seul message. Alors que le pasteur est en train de prêcher sur l'encouragement. Mais ce message-là a bouleversé tellement ma vie. Et le lendemain, je suis allé voir Noël, ma mère. Je lui ai demandé comment, je ne savais pas comment créer l'entreprise. Mais il dit, mais ce n'est pas la mairie, il faut aller là-bas. Il faut aller au chef de métier et tout ça. Et je suis parti par la foi et j'ai fait les choses. Mais et Dieu, comment c'était la motivation et l'encouragement qui m'a poussé. Grâce à une prédication, j'ai créé un premier rendez-vous de nettoyage, je vous dis la vérité. Et ça marchait très bien. Mais à cette époque-là, j'étais encore un peu dans la chair. Allez me dire, tu es encore un peu dans la chair. Un peu dans la chair. Écoutez, si tu es encore un peu dans la chair, tu ne peux pas accomplir réellement la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu est dans tout. Dans nos entreprises, dans notre travail, dans tout ce que nous pouvons faire. À cette époque-là, Dieu me donnait de marcher, tout cela, quand je prenais des gens au noir. Et je ne déclarais pas, ce n'est pas une déclaration. Et j'envoie des gens pour aller travailler vers le royaume. Et j'étais à la maison. Et la plupart des gens qui étaient là, il y avait seulement un Français qui était déclaré. Sinon, il y avait six, tous les six n'étaient pas déclarés. Waouh! Yeah! Et puis à cette époque-là, je priais Dieu. Je priais Dieu. Mais manque de peau les jours-là. Ils ont contrôlé mon équipe. Et la gendarmerie m'appelle. Elle dit, monsieur, nous avons vérifié que ces personnes ne sont pas déclarées. Je lui dis, j'ai eu peur. Il dit, bon, c'est pas grave, monsieur. Quand c'est comme ça, c'est pas leur problème. Il faut leur procès verbal. Un mois après, je suis convoqué au tribunal. Ouh, ça m'a coûté tellement très cher. Déjà, j'étais dans l'entreprise. Mon comptable m'a dit, laisse tomber. Et la dette, là, j'ai fini, c'est pas très longtemps. C'était énorme. Alléluia. Et pourquoi je donne ce témoignage-là? En tant que chrétien, on doit respecter, on doit avoir la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne vivez pas dans le faux. Je vous dis la vérité. Je comprends. Je dis, je comprends. Nous tous, on a fait ça quand je suis arrivé en France. Les faux papiers, tu vas travailler pour les papiers de quelqu'un, tout cela. Je comprends. Je dis, je comprends. Parce que si tu ne vis pas l'histoire, tu ne peux pas comprendre. Je comprends. Mais ce n'est pas une raison. Mais tu dois vivre par la foi. Et la Bible dit, le juste vivant par la foi. Et c'est ta responsabilité, l'Église. Ça veut dire que tu dois provoquer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cherche un moyen pour provoquer Dieu. Vous n'avez pas entendu que quelqu'un n'avait pas de papier, mais la position de Dieu n'est pas parce qu'il travaillait bien. Je connaissais un Malien. Il faisait que la plonge. La plonge, excuse-moi, c'est pas un faux boulot, non. C'est il faisait que la plonge. Mais quand il faisait la plonge, il y avait 200 couverts, mais il finissait tôt. Les restaurants s'appelaient les restaurants de la Cupinée à Bordeaux. Mais ces garçons-là, ils finissaient tôt. Mais lorsque le patron, c'était un grec, lorsqu'il embauchait des gens, il finissait à 4h du matin. Parce qu'il y avait tellement du monde. Mais lui, ce monsieur-là, tellement il connaissait les gens à la préfecture. Le type-là était bon. Il a utilisé ses procédures. C'est connexion dans les papiers à cet enfant-là. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen.
Mais il est question de savoir son identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cependant, Dieu veut t'aider, mais Dieu te met par rapport à Dieu, il est responsable quand même. Il faut être une personne responsable. Il ne faut pas avoir peur. Elle me dit, le juste vivra par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le juste vivra par la foi. Je répète encore, je comprends. Je vous dis, je comprends. Mais je comprends. Mais prends un jeune de 30 jours. Prends un jeune de 21 jours. Parle à Dieu. Il va agir. Alléluia. Alors, si c'est ton cas, si tu n'as pas encore agi, mais ce n'est pas grave. C'est dès lors que la bénédiction arrive. Alléluia. Parce qu'il y a le temps de Dieu et le temps de... Non, il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est responsable de nous-mêmes. Alléluia. Je vous dis la vérité. Hein? Dans une église, là où il y a beaucoup de magouilles, des choses bizarres, l'église n'évolue pas. Je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'on doit prêcher la bonne parole pour nous aider à nous tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'aie pas peur, active ta foi. La foi est une ferme assurance. Une démonstration des choses. Quand espère, continue. Quand ne vois pas. Des choses que tu espères, mais tu ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Madeleine, lève-toi. On acclame Madeleine. Je prends le témoignage de cette fille. Vous savez, à un moment donné, elle n'avait pas de papier. Et elle a beaucoup souffert, l'église. Nous avons tellement prié pour elle. Mais en tant que deuxième conducteur de l'église, ça lui faisait très mal. Elle est active dans l'évangélisation. Elle n'arrête pas à évangéliser. Mais son problème ne changeait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, à chaque fois que je l'envoyais, une chose était dans notre cœur, parce que tu me disais à moi, que Dieu produit un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je te vois, il dit, Seigneur, produit un miracle pour la vie de cette fille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à chaque fois que je l'envoyais, dans sa responsabilité dans l'évangélisation, parce qu'il faut répondre aux choses de l'église, malgré ses souffrances, malgré les difficultés, il était tout le temps, tous les jeudis, là-bas, en train d'évangéliser, en train de parler de Dieu, alors que chez lui, il n'avait rien à manger, alors qu'il avait des problèmes. Et le copain, on lui a dit, oh non, on cherche des mariés sur Internet. Oh, on fait ceci, on fait cela. On a tiré les oreilles sur elle, là, je vous dis la vérité. Il dit, c'est pas la solution. Nous avons prié. Elle a prié. Le dernier jour, je l'ai vu à l'évangélisation. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, car la bénédiction arrive. Amen. Alléluia. Alors que je vous parle, et Dieu a grandement agi dans sa vie. Alléluia. Amen. Et Dieu a ouvert les portes. Elle a trouvé un travail. Elle travaille à l'aéroport. Amen. Alléluia. Et ton travail, il faut que tu chantes au nom de Jésus. Hein, parce que je te vois plus. Alléluia. Amen. On doit rentrer dans une dimension de l'esprit. On doit rentrer dans une dimension de l'esprit. Que tu dois vivre ton miracle. Tu dois changer ton comportement. Ton comportement doit changer à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ton comportement change. Si ton comportement ne change pas, ton miracle va durer, va perdurer. Ce n'est pas le but. Quand Dieu veut nous bénir, Dieu a l'intention de nous bénir. Tu peux t'asseoir. Alléluia. C'est là pourquoi j'insiste là-dessus. Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça te fait du bien? Donc tu es responsable pour l'église. Alors que de plus en plus, quand tu seras responsable, Dieu agira pour toi. Alléluia. Il est question de comprendre sa responsabilité au sein de son église locale. Je vous dis la vérité. J'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible qui a servi réellement Dieu, qui était fidèle à Dieu, qui a mis les instructions de l'Éternel, qui est mort dans l'angoisse ou dans les difficultés. Non. Alléluia. Et Dieu bénira toujours. Même dans la solitude, Dieu te bénira. Dans les difficultés, Dieu te bénira. Dans la souffrance, Dieu te bénira. Même si les gens te manquent, Dieu te bénira. C'est une question de temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la solitude, Dieu te bénira. Oh, Dieu va nous bénir, l'église. Ne vous inquiétez pas. Il faut mettre Dieu à la première place.
Mais je m'en fais quelqu'un, écoute, dès que tu as mis ton pied en France, tu auras des papiers au nom de Jésus. Amen. Je te dis la vérité, le temps que ça prendra, tu auras toujours. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de preuve. Mais reste tranquille. Assure-moi et certainement, Dieu agira. Alléluia. Car Dieu ne laisse pas ce loin. Car Dieu ne laisse pas ses enfants. Je suis en train de dire les choses vraies et réelles. Il est question simplement de comprendre sa responsabilité dans l'église locale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le seul secret, tu as beaucoup prié, tu n'as pas eu de résultats. Tu as beaucoup prié, tu n'as pas eu de résultats. Ce n'est pas grave. Prends ta responsabilité au sein de l'église locale. Et tu verras Dieu envoyera un mouvement des anges à ta faveur pour agir, pour attirer ta bénédiction. Alléluia. Si tu es dans cet endroit, si tu ne le sais pas, certainement, tu as quelque chose à donner à l'église. Alléluia. Je ne parle pas de ton argent. Je parle par rapport à des capacités surnaturelles. Plusieurs personnes ici, ils ont des capacités de chanter. Ils ont des capacités pour évangéliser. Ils ont des capacités pour faire des annonces. Ils ont des capacités pour arranger l'image dans Facebook. Mais les gens, ils sont là. Ils sont là, ils ne bougent pas. Alléluia. Mais quand tu es actif avec Dieu, Dieu va te révéler vis-à-vis de ses conducteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut d'abord être actif dans la maison de l'Éternel. Et quand tu vas dans la maison de l'Éternel, tu n'as pas besoin de chercher le micro. Ce n'est pas ton problème. Mais sois actif. Sois seulement actif. Sois seulement présent. Manifeste ta fidélité à l'œuvre de Dieu, ton obéissance, la soumission. Et tu verras la gloire de Dieu va descendre sur toi. C'est une question de temps. Alléluia. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est une question de temps. Alléluia. Si le diable est intelligent, tu vois, il devait nous tuer tous. Parce qu'il est venu dans le monde avec une colère pour tuer et égorger. Alléluia. Pour nous détruire. Mais je t'annonce ce matin, il n'a pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, il s'appelle Jésus. La Bible dit quoi? La Bible déclare qu'il a pris des malédictions. Il est parti sur la croix. Il a livré cela. Un spectacle. Il a déchiré l'œuvre de laquelle que les ordonnances de l'ennemi te condamnaient. Il a tout déchiré. Il a donné tout à ta faveur. Il a dit, voici ta responsabilité. Et voici ta responsabilité. À ma parole. À ma parole. Et tu frapperas. Le parc ouvrira. Et tu chercheras. Tu trouveras. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit pas à ma parole. Il dit à sa parole. Il dit à sa parole. Mais pour comprendre cela, rentre dans la dimension de la responsabilité. Et tu verras Dieu agir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu verras Dieu agir. Et la Bible me dit, il pourvoira à notre besoin. C'est dans l'immensité de sa grandeur. Il est grand. Dans le ciel, il est grand. Et sous la terre, il demeure grand. Sous le soleil, il demeure grand. Et dans l'eau, il demeure grand. Aucune chose qui peut dépasser la grandeur de Dieu. Aucune chose qui peut dépasser la grandeur de Dieu. Alléluia. Si la chose ne marche plus, ne pleure plus, change l'itinéraire. Dis maintenant, je suis responsable. Dis, je suis maintenant responsable. Ne pleure plus. Sois dans la responsabilité. Et tu verras Dieu agir. Alléluia. Alléluia. Et acclame Jésus. Acclame-le très fort. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire, Jésus. Et le deuxième secret de la responsabilité, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Écoutez l'église, je voulais dire à quelqu'un, des gens meurent. Il y a des gens qui meurent, ils ne connaissent pas encore Christ. Même nos voisins, ils ne connaissent pas Christ. Nos familles ne connaissent pas Christ. À l'école, mes amis ne connaissent pas Christ. Annonce l'évangile, annonce la parole de Dieu. Montre aux gens que Jésus existe. Montre aux gens que Jésus est capable de t'aider. Montre aux gens, Jésus est la réponse de ton problème. Et tu verras Dieu agir pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est le secret. Annonce la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Annonce simplement la parole de Dieu. Si tu as prié, Dieu ne répond pas à tes prières, ce n'est pas grave. Change de stratégie. Dis change de stratégie. Change de stratégie. Dis change de stratégie. Change de stratégie. Rentre dans la responsabilité. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, acclame Jésus très fort. Et le troisième responsabilité, c'est la responsabilité de la vision. Alléluia. Vous voyez, dans une église locale, il y a toujours une vision. Vous savez, chaque dimanche, Dieu nous a inspiré. Il nous a dit tout, chaque dimanche, de parler de la vision. Alors, quand tu entends la vision, mais ne reste pas dans ton coin, mais prends la vision, rentre dans la vision, prie pour la vision, demande à Dieu d'agir dans la vision. Mais tu es en train de contribuer à la croissance, tu es en train de contribuer à la bonne santé de ton église locale. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et sois passionné. Alléluia. Vous savez, les gens qui sont passionnés en Christ, je vous dis la vérité, Dieu ne le laisse jamais du tout. Alléluia. Amen. Je vous dis les choses, sois passionné. Qui cherche une bénédiction? Il ne faut pas avoir honte. Moi, si j'en cherche. Amen. Et donne-moi. Donne-moi. Amen. Qui cherche une bénédiction? Amen. La bénédiction à droite. Amen. Tout le monde, la bénédiction à droite. Amen. On y va tous. Amen. Lèvez-vous. Amen. C'est prophétique. Amen. La bénédiction à droite. La bénédiction à gauche. La bénédiction derrière. La bénédiction devant. Alléluia. On acclame Jésus. Et nous allons tous. Nous cherchons tous la bénédiction. Même moi qui vous parle, je cherche toujours la faveur de l'Éternel. Car je ne suis pas encore où comme je voulais. Alléluia. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, amène-moi dans une autre dimension supérieure. Alléluia. Mais c'est aussi ma responsabilité. Amen. Et rentre dans la responsabilité. Et tu verras Dieu agir. Aristote, rentre dans la responsabilité. Alléluia. Vous voyez, ce matin, Ennis me disait, c'est mon fils, hein, c'est lui qui joue le piano. Et quand je me connais, quand c'est moi qui prêche souvent, et ce matin, c'est moi qui prêche, j'ai dit, papa, tu me laisses. Hein. Parce que c'est que souvent, je lui laisse. Qui m'accompagne alors que je suis en train de prêcher. Mais laisse-moi, je vais aller là-bas avec les autres, là-bas à l'école, là-bas. Vous savez, dans l'église, souvent, Dieu, par son onction, il peut montrer des personnes qui ont une capacité pour jouer au piano, pour chanter. Vous voyez, ils ne sont pas nombreux. Mais ce qui manque à d'autres personnes, c'est la responsabilité. Dis avec moi la responsabilité. Dis la responsabilité. Et quand tu es responsable, l'Église va te confier les grandes choses. Donc, en d'autres termes, chaque personne a quelque chose à donner à son Église locale. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ah oui, je vous dis la vérité. C'est lui qui sait faire la cuisine. Il fait la cuisine au moment des conventions. C'est lui qui peut chanter, il va chanter. C'est lui qui va danser. Il faut qu'il soit responsable. Amen. Amen. Soyons des chrétiens responsables. Nous allons voir comment Dieu va agir. Nous voulons accélérer par la grâce de Dieu. Mais soyez responsables. Amen. Amen. Responsable vis-à-vis de ton prochain. Alléluia. Faut aimer ton prochain. Faut aimer ton prochain. Faut pas faire du mal à ton prochain. Faut pas parler mal de ton prochain. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, faut pas parler mal de ton prochain. Ici, il n'y a pas de favoritisme. On te connaît depuis longtemps, rien. Amen. Il n'y a pas de favoritisme. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas qu'un soleil sur le même village que moi, non. Dans la maison de Dieu, bon, on a le pasteur congolais, moi, je suis congolais, non. Dans la maison de Dieu, il s'agit de l'esprit. Amen. Dis Amen. Amen. Il s'agit de l'esprit. Et souvent, avant de terminer, souvent, les gens qui connaissent les personnes depuis longtemps, ils se prennent pour Rambo dans l'église. Et des intouchables. Ah, merci. Ici, il n'y a pas des intouchables. Tout le monde est touchable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Répète avec moi, tout le monde est touchable. Parce que souvent, vous savez, les choses qui amènent souvent les problèmes de l'église, c'est que nous avons remarqué, nous,
souvent des enfants. Ah, mon enfant a fait ceci. Ils ont puni mon enfant. Ils ont fait cela. Mais non. On ne peut pas dérober aux règles. Dis, on ne peut pas dérober aux règles. Mais dis avec moi. Oh. Dis, on ne peut pas dérober aux règles. Pas nos règles, c'est les règles de l'éternel. Alléluia. La justice de l'éternel. Donc, si ton enfant agit mal, on va corriger ton fils ou ta fille. C'est pour le bien de l'église. Alléluia. Ça va, les enfants que vous voyez, ce sont des pépinières de l'église. Surtout les ados, là, vous voyez là, ce sont les pépinières de l'église. Dans 3 ans, c'est des boules de feu. Hein. Amen. Et oui, je vous dis la vérité. Amen. Ce sont des pépinières, des personnes qui vont, amen, qui vont chanter, qui vont faire des danses, et tout. Des personnes formidables. Donc, nous avons la responsabilité, voilà, pour bien éduquer nos enfants. Et nous avons la responsabilité pour donner la bonne conduite. Alléluia. Parce qu'en eux, on ne voit pas que l'enfant, on voit l'onction qui est sur l'enfant. Alléluia. Qui connaît tout ça? Vous ne connaissez pas tout ça? Est-ce que vous avez vu la chorégraphie la fois dernière? C'est elle qui a créé ça. C'est fort, hein? Ah, j'ai vraiment aimé ça. Qu'elle soit bénie. Au nom de Jésus. Donc, un tel enfant, on doit l'éduquer. Un tel enfant, on doit réellement lui donner en fait l'intelligence de la parole. Alléluia. Afin que son temps soit au service de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit être sensible à nos enfants. Donc, vous, les mamans, les papas, ne soyons pas. Lorsqu'on touche l'enfant, aïe 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 aïe, c'est comme si on a touché le feu. C'est pas normal. Quelqu'un dit amen. L'église, c'est l'éducation. Eux, je parle à quelqu'un. Alors, lorsqu'on touche ton enfant, alors que tu es dans l'église, tu es devenu une personne qui n'est pas de l'église. Est-ce qu'on comprend ça? Non, vous ne comprenez pas. Lorsqu'on touche ton enfant, tu es dans l'église. Je répète, tu es de l'église. Ah, ça c'est bien. Tu es de l'église. Tu es de l'église, tu fais partie de l'église locale. Mais lorsqu'on touche ton enfant, mais tu es de l'église, c'est comme si tu n'es pas dans l'église. On comprend? Lorsqu'on touche ton enfant, le visage est devenu serré. Tu crées des problèmes à tout le monde. Tu es de l'église, c'est comme si tu n'es pas dans l'église. C'est-à-dire que tu es assis, tu suis la prédication, mais tu ne suis pas la prédication. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu es de l'église, mais tu n'es pas dans l'église. Tu es dans l'église, mais tu es dans l'église. Ça fait quelle histoire? Amen. Amen. On doit être concentré. Alléluia. L'éducation, c'est normal. Dis, c'est normal. C'est normal. Et c'est ta responsabilité. Elle dit que l'église, c'est la colonne de la vérité. C'est la pluie de la colonne de la vérité. Elle dit, l'église, c'est la réponse à nos besoins. Alléluia. Si tu regardes la Bible, tu trouveras tout. Toutes les réponses. Alléluia. Toutes les réponses. Il n'y a que des règles à mettre en place pour activer. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit grandir. Dis, on doit grandir. Grandir. Dis, je dois grandir. Grandir. Donc, change. Répondis. Faut te répondre. Rapidement. Alléluia. Il faut que l'église avance. Il faut que l'église avance. Parce que quand il y a trop de problèmes, l'église pâtit. Souvent, tu vois la chanterie, la colère. Elle a peine adorée, le frère est à tête ailleurs. Et non, c'est pas du tout normal l'église. Tu vois les gens, ils sont pas, ils sont dans l'église, mais ils sont pas. Ils sont de l'église, mais ils sont pas dans l'église. Vérité. Est-ce que ça comprend? Amen. J'espère qu'il n'y a pas des gens comme ça. À l'instant précis, tu es de l'église, mais tu n'es pas dans l'église. C'est-à-dire que ton esprit n'est même pas dans l'église. Ton esprit est ailleurs. Tu es en train de cogiter des problèmes. Mais cogite la parole. Pense à la parole. Pense comment tu vas aller loin avec Dieu. Alléluia. C'est ta responsabilité. Il faut que ça change. Amen. 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 Attends, Jésus t'arrive. Tu connais t'arrive. Dis à toi t'arrive.
Lève-toi, Dari. Dari, ça c'est Dari. Alléluia. Et c'est notre responsabilité pour évangéliser. Alléluia. Christian, c'est le fils de notre papa qui a envoyé Dari. C'est un violon. Et Chaka, c'est toi qui as envoyé Christian, non? Ah, Chaka, c'est derrière. Alléluia. Amen. C'est notre responsabilité pour évangéliser. Alléluia. Amen. C'est notre responsabilité. Parce que les gens meurent. Les gens, ils n'ont pas la connaissance. Les gens meurent, les, je vous dis la vérité. Les gens ne dorment pas bien. Alors l'église, il y a la solution. L'église, il y a toute la solution possible. Il est question seulement d'entendre la parole de Dieu afin que ta vie change. Alléluia. Donc invite les gens. Ne sois pas égoïste. Tu peux te manger toi-même. Tu manges toi-même. Tu manges toi-même. Tous les chats qui mangent, tu ne veux pas que l'autre mange. C'est bizarre, hein? Alléluia. Amen. On doit être fidèle à Jésus. Amen. Amen. On doit évangéliser. Ah, je vous dis la vérité, évangéliser. C'est aussi, hein, demande c'est le secret. Hein. Mais je vous dis la vérité. Si tu as un appel de Dieu, voilà, tu dois accélérer. Puis j'ai la paix de Dieu, le seul secret, aime les hommes. Amen. Est-ce que ça se comprend? Si tu sens que je suis dans sa poudre dedans de toi, aime les hommes tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles quand tu vois quelqu'un. Tu connais Jésus? Tu connais Jésus? Tu connais, tu es chrétien? Sois comme ça, tu verras comment Dieu va accélérer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui a le saint ministère, il a d'abord l'amour des âmes. Amen, amen. Celui qui a l'enfant de Dieu, réellement, il a d'abord l'amour des âmes. Amen. Amen. Et oui, tu as d'abord l'amour des âmes. Donc il faut aimer les âmes. Et quand tu as des amis qui ont des problèmes, il faut prier pour eux. C'est aussi l'amour des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut prier pour eux. Faut prier pour les autres. Amen. Qui est pour les pasteurs? Waouh, amen. Ah, maman Mimi, c'est vrai. Maman Mimi, je sais que c'est vrai. J'ai dit que maman Mimi. Va prier pour votre conducteur. Alléluia. C'est très important à l'église. On doit être des personnes spirituelles. Vous savez, la Bible dit que les premiers chrétiens étaient vraiment ensemble. Et par l'assistance du Saint-Esprit, l'église croissait. Ça veut dire qu'en fait, si nous sommes ensemble, si nous sommes dans l'unité, si nous aimons les uns aux autres, si nous aimons réellement la parole, je vous dis la vérité, Dieu est obligé de faire des choses avec nous. Alléluia. Dieu connaît l'énergie de nos cœurs, l'église. Mais il faut aimer réellement Dieu. Amen. Il faut aimer réellement Dieu. Il faut aimer réellement Dieu. Malgré les situations, aime Dieu. Je t'invite, si tu n'as pas écouté la prédication du pasteur qui dit nous, dans la solitude, Dieu te bénira. Va regarder ça sur le YouTube de l'église ou du pasteur qui dit nous, dans la solitude où Dieu te bénira, où elle expliquait, elle a vraiment expliqué les choses. Va écouter cette parole, ça va t'aider. Amen. Amen. On doit aimer la parole, vous êtes la vérité. La Bible dit, c'était pas la prière, hein, c'est à sa parole. Amen. À sa parole. À sa parole. La prière vient en deuxième position. C'est à sa parole. C'est à sa parole que Dieu crée le ciel et la terre. Alléluia. C'est à sa parole que Jésus a vaincu le monde. C'est à sa parole. Les choses. Alléluia. On acclame Jésus très 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 fort. Oh, ma soeur, viens, tu es là. Donc je disais à sa parole que Dieu a délivré le monde. Parce que Jésus avait l'amour. Il a donné sa propre chair pour nous. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions avoir la vie.
Donc nous également, nous avons une responsabilité devant les personnes qui ne connaissent pas Christ. Une responsabilité pour parler de Jésus en eux. Nous avons réellement une responsabilité à l'Église. Alléluia. Amen. Qui sait que Jésus est avec lui? Amen. Si tu sais que Jésus est avec toi, lève-toi. Et la Bible dit que Jésus est Alpha et Oméga. Et aucune chose, je vous dis aucune chose qui a le pouvoir de prendre la place de Jésus. Et nous allons chanter ce cantique Alpha Oméga. Alors que tu vas chanter ce cantique, et tu décides réellement de prendre une grande décision et pour changer réellement et tu sois une personne réellement responsable. Et tu verras certainement Dieu agir. Vous savez, l'église, si tu veux aller loin avec Dieu, oh my God. Alors que je suis en train de parler, je vois en esprit, oui, une personne qui veut aller loin avec Dieu, mais il est encore irresponsable. Alors que le cantique est en train d'avancer, oh my God. Écoute-moi, femme, c'est une femme. Et je sens tellement une présence de l'Éternel, oh my God. Et j'entends dans mon oreille, en fait, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et qui amène l'esprit d'irresponsabilité dans ton âme. Alors que tu entends d'entendre ma voix. Et l'esprit de mon Dieu, oh my God. Il est en train de rentrer en mouvement. Et voici un temps de ta délivrance. Alors que les choses vont commencer à chanter, oh my God. Oui, il y a quelque chose de fort. L'église. Et je parle à une femme dans cet endroit. Oui, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Cette femme, oh my God.
prie de donner à deux. Quelqu'un derrière cette femme. L'homme de la sorcellerie est en train d'animer sa vie. Alors que j'en ai parlé, cherchez-moi une poche. Et cette fille, cette femme, oh my God, amenez-moi une poche, l'église se va, oh my God. Amenez-moi une poche. Oh my God, maman Marisa, une poche. Elle est libre. Elle est libre, my God. Elle est libre par le nom de Jésus. Elle est libérée par le nom de Jésus. Elle servira l'éternel. Elle servira l'éternel, cette femme. Elle servira l'éternel. Sauve it. 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 Jésus, et tu verras sa gloire, oh, fils.
Appelle-moi l'enfant. Fils, tu as bien fait pour l'amener. Que Dieu te bénisse. Femme, ne pleure plus. À partir de aujourd'hui, sois responsable pour Dieu. Oublie le passé et tu verras la gloire de Dieu. Ton passé te fatigue. Ton passé te fatigue. Écoute-moi, la Bible dit, Dieu pourvoira à nos besoins selon l'immensité de ta grandeur, de sa grandeur. Femme, donne réellement ta vie à l'Éternel, votre premier amour en Jésus. Rétablis ces choses et tu verras sa grandeur. Alors que je suis en train de parler, l'onction de Dieu et la puissance de mon Dieu et la gloire de l'Éternel est en train de monter sur ses pieds. Et quelle onction, quelle puissance elle va recevoir. Oh mon Dieu. Besoin de toi, femme. Réveille-toi, toi qui dors. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi, Alpha et Omega. L'église a besoin de toi. Je vois un pouvoir. Que Dieu la délivre. J'entends Dieu me dire, vous allez vivre une nouvelle saison, femme. J'entends Dieu me dire, vous allez vivre une nouvelle saison. Oh, une nouvelle saison. Merci Jésus. J'ai pris pour cet homme. Je le voici, pasteur de Dieu, Père de gloire, Jésus. Père, en qualité de ou un Père éternel de gloire. Père, je libère des grâces exceptionnelles dans sa vie. Père, là où il y avait des limitations, Père éternel de gloire, Jésus. Père, c'est la soif brisée et détruite. Ce matin, cet après-midi, par le nom de Jésus. Quand tu vois des jeunes de prière, quand tu vois des montagnes de prière, mais Seigneur, tes rois d'Israël, Père éternel, Seigneur, à ta parole, Seigneur Dieu, ben accélère, accélère. J'entends dans mon oreille un dossier, j'entends dans mon oreille un dossier. Écoute-moi, serviteur de l'éternel, mon Dieu, celui que je sais, mon Dieu. Vivre un temps nouveau. Écoute-moi ce matin. Tu vas vivre un temps nouveau.
dit l'Esprit de Dieu, Seigneur Dieu, mais envoie les anges à sa faveur. Seigneur, manifeste ton nom, mais manifeste ta grâce, mais élève ton nom. Ne sois plus dans les inquiétudes. Ne sois plus dans les inquiétudes. Ne sois plus dans les inquiétudes. Sois calme. Et tu verras Dieu agir. Et tu verras Dieu agir. Par le nom de Jésus. Que ce que
que l'on dit. Tu me dis de libérer simplement les paroles sur toi. Écoute-moi alors que je suis en train de parler. Et les liens de la sorcellerie n'ont plus le pouvoir dans ta vie. Alors que je suis en train de parler, j'arrive pas à interpréter. Dans votre famille, femme, il y a quelque chose de chériférie. Comment on dit? Je sens dans mon oreille. Chériférie dans votre famille. Quelque chose de ça, qui ressemble à ça, dans votre famille. Tu vois ce que je suis en train de voir? Vous savez? Cet enfant est prédestiné. Jésus. Amen. Dans l'évangélisation. Un grand évangéliste. Oh Jésus. J'entends dans mon oreille des Hérodes de votre famille. Hérode. Le nom Hérode. Lorsqu'on parle d'Hérode, c'est des voleurs de grâce. Oh. Lorsqu'on parle d'Hérode, c'est des voleurs de grâce. Et lorsqu'ils ont vu son étoile, ils cherchaient de voir ce moyen pour détruire. Tu sais, femme, je te donne une révélation. Et récemment, ton fils n'était pas là avant, c'était toi. Et je bénis Dieu. Je m'arrête là. Je parlerai avec lui. Sois responsable. Voir Dieu agir dans ta vie. Tu sais, il n'y a pas de secret. Je parle à tout le monde, il n'y a pas de secret. Quand tu sais, et en toi, tu as un appel de Dieu dans n'importe quelle dimension, sois responsable. Alléluia. En fait, l'appel de Dieu n'est pas dissociable de notre vie sociale. Quelqu'un dit amen. Amen. Et oui. Dieu n'est pas dissociable avec notre vie sociale. Quand je parle de la vie sociale, des études, tout ce que vous voulez. Mais mets Dieu devant et tu verras sa gloire. Qu'on acclame Jésus pour lui. Sans bénéfice. Que Dieu te bénisse à cette gloire. Et soyez bénis tous. Que Dieu vous bénisse richement. Et pasteur Kimelou, nous prions pour vous. Et à chaque fois lorsque nous vous voyons, notre cœur, ça tremble, ça fait mal. Et tant que votre bénédiction ne descend pas, nous ne sommes pas tranquilles. Mais aidez Dieu, ou aidez nos prières à tel Dieu. Quelqu'un dit amen? Amen. Aidez nos prières à tel Dieu. Parce qu'on prie pour vous, soyez responsables. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et je suis sûr. Il y a des temps nouveaux qui arrivent pour chacun de nous. Amen, amen. Je vous dis la vérité à l'église. Alléluia. On appelle ces prophètes. Et je suis en train de voir beaucoup de changements dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Et je vois plusieurs dossiers se débloquer au nom de Jésus. Amen. Et je vous dis, c'est pas parler, mais je vois mon esprit. Et Dieu veut que vous soyez responsables. Vous allez vivre la gloire de Dieu dans cet endroit. Allez, David. Je vais vivre la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. Notre Dieu est vivant. Amen. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse.